ici la nourriture que nous allons prendre et procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chaque fois que je leur demandais « Voulez-vous m'aider? »
il répondait en secouant la tête comme ça, non. Trêve de plaisanterie. Ce que je veux dire, au fond, c'est que, bien qu'on soit mariés, on reste deux personnes distinctes, différentes, chacune avec sa personnalité propre. Si vous le... J'ai justement un petit poème à, vous, à ce propos-là, un très beau poème. Si vous le connaissez déjà, je suis certain qu'il vous fera plaisir de l'entendre de nouveau. Vous serez ensemble pour toujours. Vous serez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront vos jours. Oui, vous serez ensemble, même dans la silencieuse mémoire de Dieu. Mais laissez un vide dans votre union et que dansent entre vous les vents des cieux. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de votre amour un esclavage. Qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rives de vos âmes. Remplissez mutuellement vos coupes, mais ne buvez pas dans la même. Chantez et dansez ensemble, soyez joyeux, mais faites que chacun de vous puisse demeurer seul. De même que les cordes de la harpe sont seules, même lorsqu'elles vibrent de la même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et demeurez ensemble, mais sans trop vous approcher de l'autre, car les piliers du temple sont séparés. Et ni le chêne, ni le cyprès ne poussent à l'ombre l'un de l'autre. Pour finir, me prévalant toujours de mon titre de parrain et de vieux mononcle qui commence à blanchir, je voudrais vous donner un autre petit conseil, même au risque de paraître un peu moralisateur. Travaillez pour vivre. Ne travaillez pas pour travailler. Ne vivez pas pour travailler. Ne laissez pas le travail et l'ambition vous tyranniser. Méfiez-vous, dit le poète, du confort, cette chose furtive qui entre chez vous en invité pour devenir bientôt votre hôte et puis votre maître. Il devient votre dompteur et armé d'un croc et d'un fouet, il fait des marionnettes de vos plus profonds espoirs. Ses mains sont de velours et son cœur est d'acier. Joanne et Jean, nous vous souhaitons mieux que le confort, mieux que la prospérité. Nous vous souhaitons la richesse d'un amour éternel. Nous levons nos verres à votre bonheur. Bravo! Monsieur le curé Corbeil, qui a fini le mariage cet après-midi, est parmi nous. Je l'en remercie et je lui demanderai de bien pouvoir vous adresser la parole. Savez-vous qu'en écoutant Jean, là, j'ai compris quelque chose. Ce que j'ai compris ce que c'est que c'était réellement quand on a une fille. Et je m'aperçois qu'il y a parler un peu avec son cœur. Et il m'a donné bien des idées quand ma filleule va se marier. Hein? En tous les cas, moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, je l'ai bien averti. Tu ne demandes pas un corbeil de parler, parce que quand il commence, c'est jamais quand est-ce qu'il va finir. Et j'ai promis une chose, que ça ne sera pas long. Donc je vais me permettre de souhaiter aussi de fou. C'était magnifique. Je voudrais aussi remercier nos deux pasteurs, Yves et encore Denis. Denis,
particulièrement reconnaissant aussi à Janine et à Claude pour être avec nous ce soir, pour nous avoir donné le choix. On m'a dit que je n'avais pas de fils, mais la dernière. Hello. Bonjour tout le monde.
Non. Non. Tu n'as pas mangé hier? Non. TV shop down here. How are you doing today, sir? Very good. You're looking well. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que C'est quoi la différence entre moi pas de m'en prendre un verre?